Allez, c'est reparti. Alors, oulala, on va devoir passer à la pause, je pense, les filles. Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, oui, c'est la rentrée. Bon, on vient de rentrer de France. On est rentré hier à 3h de l'après-midi. Donc, le décalage horaire se fait encore ressentir. Mais j'ai pas le choix. Il faut que j'aille faire les courses. Je dois passer à la poste. J'ai plein de petites paperasses, on va dire des petites choses à faire. Donc, j'ai les filles avec moi puisqu'elles rentrent que la semaine prochaine à l'école. Donc là, on va attendre le bus et on s'en va à la poste. Allez, je vous emmène avec moi. On va aller manger chez Prata. C'est super bon. On va aller manger chez Prata. Allez, Prata, voilà. On y va? Voilà, on va aller manger là. Venez, oui, viens, on va aller voir ce qu'on va manger. Ici. C'est parti pour les courses. Oh non, ça rentre pas mal. Venez les filles, on va aller demander de la monnaie là-bas. Venez ici. J'ai été changer la pièce. Celle-ci, ça marche. Allez les filles, oui. Ok, monte ici. Ok, on y va. Prendre le shampoing que je prends habituellement. Oui maman. Oh non mais les filles, le problème, il n'y a pas de place. Tant pis, il n'y a pas de place pour les courses. Hein. Je sais pas comment je vais faire. Allez, on va commencer avec le lait. Alors, habituellement je prends ce lait organique ici. C'est lequel que je prends? Ça, petit lait comme ça. Attends ma chérie, je regarde. Ça. Original. La confiture bonne maman, 6 euros. Elle était à environ 3. Il y en avait même à 2 chez Auchan. Mais bon. On va regarder s'il y a une alternative. Il me semble qu'il y a une autre confiture que je prenais habituellement. Bon, je pense qu'il va me falloir 10 ans pour faire les courses. Tout ce qu'elles voient, elles le veulent. Et ça crie. Regarde, celle-ci, elle n'est pas très jolie. Prends une autre. Montre. Vas-y, mets dans le sachet. Oui. Non, elle est trop grosse, elle. Prends une rouge. Montre, Rania. Vas-y, mets. Ok, mets. Ça. Ouais. Et ça, maman? Non, celle-ci, elle n'est pas bien, Rania. C'est bon, bravo. Vas-y, mettez dans le plastique. Non, c'est tout, une offre, il n'y en a que 5. Vas-y, Mariam, vas-y. Ok, super. Super. On va faire ça, vegetable. On a pris ça, paprika, vas-y, pose-le. Ok. Oh. Tiens, remets-le. Vas-y. Doucement, attends que maman à côté. Vas-y, remets. Ok. Et maintenant, t'appuies sur ça, le bouton là. Vas-y. Une fois. Voilà. Et tu colles le papier. Colle le papier ici. Bravo. À toi, Rania. Prends le tien. Vas-y, pose. Bravo. Tu appuies sur le bouton ici. Une fois, bien fort. Ok, tu prends l'étiquette, elle est là. Ici. Tu la colles. Bravo. C'est bien les filles. Voilà. Attends, c'est lequel, Amir? Oh, il n'y en a plus? Pistache.
attends, on l'a pas assez, Rania. Allez, Marianne, tiens. Ça va, la classe? Vas-y, tu poses. Il y a all meat in plastic, please. Ok. Attendez-moi. Ça y est. Ça nous a pris un temps fou. Habituellement, je fais mes courses franchement en une demi-heure. Là, ça m'a pris une heure et demie, je pense. Bon, on va prendre le taxi, on va rentrer, on va ranger tout ça. Mais au moins, le plus gros, il est fait. Parce que vraiment, il n'y avait plus rien à manger du tout à la maison. Du tout. Le frigo est vide. Vu qu'on rentre de vacances. Voilà, c'était plus que nécessaire. Non, on ne fait pas rentrer le vélo à la maison. Ah, ok. Allez, vous m'aidez les filles. Liam qui va m'aider. Enfin, je ne sais pas si elle va m'être d'une grande utilité, si elle va me ralentir ou pas. Mais le frigo est vide, comme je vous disais. Bon, vous voyez, il y a un poulet que j'ai décongelé, mais sinon, c'est vide. Puisque, comme je vous disais, on revient de 5 semaines d'absence. Donc du coup, j'avais tout nettoyé, tout vidé avant de partir. Allez, tu m'aides, Mariam? Super. Allez, j'essaie d'organiser. Donc tous les fruits et légumes sont ici. Et normalement, tout ce qui est produit à ranger dans le placard, c'est ici. Il me reste juste à couper le pain et à mettre dans des petits sachets. Je congèle directement. Et on va voir ce qu'elles font, les filles. C'est pas grave. Attends. Regarde. Enlève ta main. C'est normal, il faut le mettre de ce côté-là. Voilà, tu vois? Non, c'est pas comme ça. Oui, c'est comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis de le mettre dans ce sens-là, celui-ci, il tient. Non, ça... Attends. Où est-ce que tu casses ça? Ah, d'accord, attends, montre, on va essayer comme ça. Ah non, tu vois, regarde, ça tient pas. Regarde, tu vois qu'est-ce que ça fait quand tu le rapproches? Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main. Regarde, tu vois, ça tient pas. Il faut faire comme ça. T'as vu? Là, ça tient, ça colle. Ok. Et toi, Mariam, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu cherches les voitures? J'avais oublié ça, il faut que je le monte. Allez. Je sais pas encore où je vais le mettre. Ça. Ok. Alors. Ça, c'est le dessus. Ensuite, regardez les filles comment on va faire. Vous m'aidez? Venez voir, je vais vous montrer comment on fait. Regarde, Mariam, tu fais comme ça. Rania, tu fais ça? T'en mets un toi aussi. Ah non, c'est comme ça ou pas? Voilà. Voilà, tu mets. Vas-y. Non, ça c'est après, c'est les roulettes après. Viens faire maman, viens faire maman. Allez, on va le faire ensemble. Aïe. Aïe, mon doigt. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, allez. Attends, on va pas le faire en même temps, sinon on va se coincer les doigts, les filles. Vas-y. Madame Bouille. Bravo, Rania. Ok, Mariam. Non, mais Mariam, il faut... Voilà, appuie maintenant. Bravo. Yeah. Bravo, les filles. Give me five. Yes, give me five. Bravo. Qu'est-ce qu'on va ranger dedans? Alors, soit on va l'utiliser dans la cuisine pour mettre tout ce qui est produit, je sais pas, l'huile. Mais moi, je pensais mettre ça dans la salle de bain plutôt. On va mettre ça dans la salle de bain, les filles, oui? Bon, les filles, j'ai retrouvé ces récipients. Enfin, j'ai pas retrouvé, mais je viens juste de trouver le temps de les laver. Je vous avais montré sur Snapchat. Je les ai achetés donc à Bangkok. J'en ai acheté deux. Ça servira pour les salades. Donc là, je suis en train de faire à manger. Donc, poulet, je vais mettre des petits pois, carottes. Et je pensais que c'était des olives. Et je suis dégoûtée. C'est pas des olives, c'est. Je sais même pas ce que c'est. Nuts Ginkgo. J'ai goûté, c'est pas bon du tout, donc je vais, il faut que j'aille acheter mes olives à côté, c'est pas grave, heureusement j'ai un petit magasin ici pour mes dépanner. Mais donc voilà, je vais lancer à manger et ensuite je vais m'occuper du rangement des produits pour vous verrez de toute façon juste après. Allez, hop, je peux même pas le porter, le
C'est trop lourd. Ce sont tous les produits cosmétiques que j'ai pas encore rangés. J'ai vraiment rangé les vêtements. Je me suis dit, je vais d'abord me débarrasser des vêtements dans un. Ça, ici. Et comme ça, je vous montre un petit peu en même temps. Comment je vais m'organiser. C'est un peu le boxon. Terminé. Bon, comme ça, pour vous, c'est peut-être le boxon, mais pour moi, je m'y retrouve. J'ai rangé donc tout ce qui est déodorant, brosse à dents, etc. ici. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement glissé ce petit rangement à roulettes ici. Là, j'ai plus le courage, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poser ce qu'on utilise au quotidien, comme ça, voilà. J'aurai juste à tirer et le remettre en place pour accéder plus facilement au produit. Donc, voilà. Bon, il y a Mariam qui s'est endormie entre-temps. Vous l'entendez peut-être ronfler, mais je pense qu'on y est là. On va se quitter tout doucement. Ce qui concerne le make-up, j'ai tout mis dans ce sachet, que ce soit les, bah, mes achats. Vous voyez, j'ai acheté, je vous ai dit, les fossiles de chez Huda Beauty. J'ai, bref, un peu de tout, vous verrez. Mais étant donné qu'il y a certaines choses que j'ai envie de prendre en photo pour poster sur Instagram, voilà, j'ai pas encore tout rangé. Ici, il y a des palettes pareilles qu'Asma m'avait m'a offert. Des pinceaux. J'ai acheté aussi tous les... Pas encore ma chérie. J'ai également acheté tous les fards à... Je sais plus comment on appelle ça. Ce sont des fards longue tenue de chez The Balm. Bref, j'ai encore plein de petites choses à ranger. Mais voilà. J'espère en tout cas que ces petits moments avec moi vous auront plu. Continuez à vous abonner, à me soutenir. Il y a plein de vlogs qui arrivent, il y a plein de vidéos qui arrivent. On vous a également préparé de chouettes vidéos, de chouettes postées en tout cas avec Asma durant mon séjour en France. J'espère que tout ça vous plaira. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.